laissez-moi 48 heures. J'ai une réunion tout à l'heure avec les financiers et mon associé. On va trouver une solution. Ouais, salut Jacques, c'est moi. J'espère que tu vas mieux. J'ai eu la banque et ils refusent de nous suivre, alors... Je voudrais vraiment que tu discutes avec les fonds dont tu m'avais parlé. Rappelle-moi vite. Bise. Ça a été ta journée ? Ça t'intéresse maintenant ? Tu nous adresses plus la parole. T'aurais dû rester confiné dans ton bureau à la Défense. Ça t'aurait évité d'avoir à jouer les pères de famille. Tu vas te coucher? Je suis crevée. Si t'as faim, il reste des trucs dans le frigo. Julien a déjà mangé. C'est ça, ouais. C'est ça. Dis-moi que j'ai mal entendu, là. C'est la dernière chose qu'il me propose pour... Pour sauver la boîte et quelques emplois. J'ai plus d'autre solution. Pas d'autre solution. Bon, non. Bah oui, non, à la maison, quoi. Enfin, plus pour longtemps. Non, parce que Christian a vendu la maison. Non, je te jure, c'est vrai. Non, mais c'est pas une blague. Qu'est-ce que tu fais dehors? Il est presque 4 heures. Et toi? Je suis sorti prendre l'air, j'arrivais pas à dormir. Puis ta mère ronfle. Alors, tu vas faire quoi? Thank you.
Qu'est-ce qu'il y a? Christian? J'ai eu Agnès. C'est Jacques. Pas. Ouais, t'as vu sa tête un peu? Ouais, non. T'imagines? Non, je te disais, j'ai trop la mort. Attends, j'avais bien fait, j'avais juste dit. Bon, on est là. C'était juste un. La nervosité sans doute. Et donc, Thibaut, il a l'air super important en fait.